La mécanique, c'est la science du mouvement. La mécanique est partout, dans chaque bâtiment qui s'élève, dans chaque interrupteur que l'on actionne, dans chaque repas que l'on consomme, dans chaque voyage que l'on entreprend, dans chaque parcours de soins également. Les industries mécaniques fournissent les composants, les sous-ensembles et les équipements de production de tous les secteurs de l'économie. Par leur transversalité, elles sont donc au cœur des enjeux de transition écologique et énergétique de notre économie. Ces industries seront au cœur de la réussite de la transition énergétique que je porte au sein du gouvernement, car elle va nécessiter une transformation profonde de nos outils. La décarbonation et plus largement le verdissement de notre industrie passeront indubitablement par des solutions technologiques plus innovantes et des normes adaptées. Si on met en place dès maintenant des actions positives pour l'industrie, la réindustrialisation de notre pays est possible. On a aujourd'hui une opportunité unique de le faire avec l'objectif de décarbonation qui rebat les cartes. Elle laisse l'occasion à tous les acteurs de participer à ce grand projet. La FIM, c'est la voix des syndicats et de leurs entreprises adhérentes, la voix des industries mécaniques. Elle contribue à créer l'environnement économique le plus propice au développement des entreprises. Le CETIM a une place unique entre le monde industriel et le monde universitaire. Notre rôle, c'est de faire progresser la mécanique par l'innovation. Nous sommes là pour accompagner l'industrie mécanicienne dans le développement de ces normes qui l'aideront à préparer l'avenir. Mécalliance va renforcer la parole mécanicienne française auprès des instances nationales, européennes et mondiales, mais aussi et surtout auprès des 600 000 mécaniciens et 70 millions de Français. Ensemble, on peut faire bouger la mécanique. Cette nouvelle alliance de la FIM, du CETIM et de l'UNM s'inscrit pleinement dans les objectifs ambitieux du gouvernement. C'est une excellente nouvelle. Un grand bravo à tous pour ce nouveau chapitre de votre histoire. Et bon vent. Mécalliance va porter dans le débat public la nécessité de promouvoir l'action normative française dans le sens de la performance, de la sécurité et de la durabilité. Parce qu'anticiper et faire évoluer les normes, c'est garder le contrôle, c'est avoir un temps d'avance. Renforcer la notoriété des industries mécaniques, c'est valoriser nos syndicats et surtout faire la pédagogie de nos métiers. C'est grâce aux métiers de sens et d'action de notre secteur que nous ferons avancer l'industrie. Nous sommes au service de la reconstruction industrielle du pays et Mécalliance est une véritable solution globale pour concevoir des produits et des procédés plus robustes, plus innovants, plus sécurisés et mettre en avant les capacités d'innovation du secteur. Nous sommes très heureux de la naissance de Mécalliance et nous vous invitons à nous rejoindre pour faire bouger la mécanique.